Yon bonsoir, bonjour tout, bienvenue dans Téléjournal là pour Aspreya, sans perdre du temps, mais plus gros point nous allons développer. Mes gratitudes pour Aspreya, membre État généraux, sectoriel nation, souhaité président de la République là, prolonger mandat, yon façon pour permettre yo atteindre objectif yo, membre EGSN dit yo commencer travail sous quelques cahiers doléances. Après plusieurs rencontres, yo déjà réalisé avec diverses organisations des bases dans différents secteurs dans vie nationale là. Jeudi, mercredi 24 octobre, la marqué Journée Nations Unies, dans l'occasion, Minijus présenté bilan travail réalisé pour première année mandat en Haïti. Avocat sans frontières, Canada remet mercredi 24 octobre, là, yon lot matériel bureau avec motocyclette by responsable, office protection citoyen, dont matériel ça, rentré dans le cadre objectif pour renforcer le système judiciaire haïtien. Chambre commerce femmes entrepreneurs d'Haïti lancé mercredi 24 octobre la deuxième forum économique entrepreneur haïtien à Port-au-Prince. Forum ça a déroulé sous thème femmes moteur de la relance économique d'Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, service secret sécurité ancien président américain Barack Obama avec ancien secrétaire d'État Hillary Clinton déclaré mercredi 24 octobre là ils joignent deux bombes dans un courrier qui était adressé à deux personnalités, ça y est. C'est un simple point, nous allons développer pour un petit moment. Restez branchés, Naptonet. Au sous télévision nationale d'Haïti, non pas M. Yvenson Frank, n'a pas entré d'emblée dans le journal là, équipe État généraux sectoriel nation 1, souhaité président à République la prolonger mandat en façon pour atteindre objectif visé. Responsable EGSNO, commencé travail sous quelques cahiers doléances après plusieurs rencontres déjà réalisées avec diverses organisations des bases, non différents en secteur en vie nationale là. Luino Pierre Abaye, plus d'explications, dans le micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Nous avons commencé à recevoir le cahier. Et dans la semaine, ça, nous avons enregistré toutes les responsables de l'association pour nous prendre corps, pour nous vérifier les coordonnées, vérifier nos responsables. Nous avons écrit, il y a plus de fois dans la semaine, une lettre qui m'a demandé de voir le cahier. Ok. Maintenant, au niveau du département, ils sont moins organisés. Donc, c'est l'instance d'État généraux qui a apporté un soutien technique pour eux, et peut-être même financier, pour aider eux à organiser le forum. Donc, comme pour l'instant, nous avons beaucoup gagné un moyen pour ça. Donc, par exemple, on gagne Nord, et tout le département fait déjà, on gagne fait un calendrier. Donc, c'est nous-mêmes qui pourquoi au fond. Qui peut répondre parce que nous pouvons gagner des ressources pour nous capables de bailler. Mais dès lors que les ressources sont dégagées, et ils sont déjà opérationnels parce que nous avons déjà fait plusieurs réunions de planification avec eux au niveau méthode, au niveau logistique, enfin, conception, et tout bagaille au point pour cinq départements. Donc, nous attendons que les ressources sont venues, que la prolongation est effective. Et pour que nous soyons capables de finir la phase préparatoire. La phase préparatoire, les sommets sont assez compliqués. Première complication, c'est que, on a un contexte de défiance par rapport à le pouvoir public, là, par rapport à tout le monde. On n'a pas cru que nous avons fait un bagage sérieux. Bon. Et dans le premier temps, par exemple, avant de commencer les discussions, fait, par exemple, pour le parti politique, avant que nous rencontrions le directoire, nous avons rencontré qui fait au préalable avec mon responsable, ça peut durer 2-7 ans, 3-7 ans pour expliquer, etc. Et finalement, le WEC, et un pays de toute façon, l'un pays a effondré, où il vit par phase de corruption, de prévarication, de délabrement moral, éthique, etc. C'est normal que la situation est comme ça, ce n'est pas exceptionnel. Parce qu'il y a un pays qui est complètement en lambeau depuis quelques temps. Et effondrer mon pays signifie que moralement, éthiquement, il faille.
L'autre nouvelle, Avocats sans frontières Canada remet mercredi 24 octobre là, ils ont lot matériel bureau avec motocyclette, ben, responsable office protection citoyen, dont matériel ça rentré dans cadre objectif pour renforcer le système judiciaire haïtien. Naftala Denis avec Hervé Pierre a présenté un reportage. Ensemble, outils ça yo office protection citoyen recevoir, c'est pour faciliter travail institution en fait plus bien pour plus résultats. D'après chef mission Avocats sans frontières Canada, Apollinaire Fausto, équipement ça a coûté 200 000 dollars canadiens. Li encourager yon bon utilisation matériel ça. Améliorer les conditions de travail des agents et également rapprocher ces agents des populations. Donc c'est pour ça que nous avons remis ces équipements qui pour nous sont des outils de travail pour permettre enfin au bout de la ligne aux citoyens et aux citoyennes haïtiennes de pouvoir accéder aux droits et à la justice. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, explique au PC a multiplié présence li dans tout département géographique dans pays a yon façon pour arriver plus près population et puis atteindre objectif yo qui c'est protéger citoyen yo. Nous-mêmes nous gagnons nos agents, nous avons notre directeur départemental qui allé très souvent dans prison des cailles. Conditions tellement dégradantes, et bien parfois il y a des gens qui entrent en prison qui partent aveugles, et bien qui viennent non-voyants, qui viennent atteints de cécité. Il y a des gens qui entrent en prison au CAI, qui sont entrés apparemment physiquement bien, psychologiquement bien, et bien qui viennent sombrer dans la folie. Et la réalité, elle est aussi identique dans d'autres centres carcéraux. Donc nous sommes capables de dire en clair, il y a beaucoup de défis, mais nous espérons également dans le cadre de ce projet, et aussi avec l'appui d'autres parties prenantes, les organisations de la société civile, les magistrats qui sensibilisent à la question droit monde, les autorités étatiques au niveau des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, eh bien, on est capable de consentir des efforts pour que la situation soit capable de changer dans le pays d'Haïti. Renan Edouville fait qu'on est, gain pile défi pour OPC lever. Protecteur citoyen, encourager chaque institution jouer rôle dans respecter droit chaque citoyen. Observatoire recherche sous rapport élite population avec migration à Claude Patnayo présenté mercredi 24 octobre là résultat travail recherche yo fait qui gain pour titre l'état haïtien avec réinsertion rapatrie république dominicaine étude de trajectoire migratoire avec insertion socio-professionnelle activité ça réalisée en présence professeur université représentant société civile là institution dans l'état organisme en question droit moun, équipe qui réalisait recherche là ak moun kap travail dans affaire migration. Contrandi Rachel Saint-Fort ak Henri Robert Chéry. Selon coordonnateur général observatoire recherche sur rapport élite population migration Alfred Pierre, atelier restitution ça rentré dans quatre travail y a réalisé depuis 2013 pour l'état haïtien sous politique migratoire. Alfred Pierre explique l'activité ça a été occasion pour présenter les résultats aux différents acteurs qui travaillent dans les affaires migration, prendre recommandations et du rapport final. Là. Un premier terrain était mené en 2016 à Ansapit, en vain délocalisation de Mounio, qui était sous camp. Depuis, deuxième partie de recherche a mené entre février et mars 2018. Okay? Recherche là, comme nous disons, recherche mixte, à la fois qui visait et bien, ils ont vu. Photographique sur Mounio, pour nous qui ça a donc en vue statistique. Donc nous avons mené une recherche quantitative sur un échantillon représentatif de 1794 personnes. Mais dans la recherche là, nous n'avons pas seulement interviewé rapatriés. Nous avons trouvé 967 rapatriés, nous avons interviewé tout 817 personnes dans la population locale dans la zone que nous avons vécu. Dans quatre points frontaliers officiels Malpass, Ansapit, Belader, d'après chercher yo, étude là qui prend en compte trajectoire migratoire montre gen pile moun ka viv dans zone frontière qui migre directement en République dominicaine et puis gen une minorité qui fait de façon indirecte. Étude là garde tout qui type moun qui prédisposé pour aller la caille voisin. Yon na bay qui intéresse nous recherche la portée sur lui essentiellement c'est qui type moun qui gen prédisposition pour aller en République dominicaine. Donc ce que nous considérons, c'est des gens tout qui ont un rapport social à l'exclusion dans le pays. Hein? Donc dans le sens que ils vivent dans des conditions qui vont permettre de réaliser tête et qui sont prêts à tout moment pour partir. Donc la République dominicaine, c'est là où ils sont calés, ils ne sont pas calés aux États-Unis, ils ne sont pas calés en France, ils ne sont pas calés au Canada. Donc ils sont intéressés à groupe monde.
Cherche ou fait ensemble recommandations qui chita sous nécessité l'État haïtien gagne pour intégrer, rapatrier yo ak moun ki prêt pour pati yo. La première recommandation à faire, c'est que l'État haïtien doit être en mesure d'intégrer sa population et d'exprimer clairement volonté pour intégrer la population. Et c'est dans le cadre volonté clairement exprimée pour intégrer, insérer la population, rapatrier, y compris les gens qui sont prêts pour partir, qui prennent l'autre État confiance tout, ou l'État négocie avec eux, conditions l'autre monde à vivre en République dominicaine, par exemple. Par exemple, les gens qui n'ont plus le temps de vivre là, qui n'ont pas de papier, comment vous permettre de jeunes papiers. Deuxièmement, les gens qui fêtent dans le pays et qui font que l'État dominicain reconnaisse eux. Mais au moins, il y a un signal que le problème migratoire, ça, il ne peut pas durer vitam éternel. Donc, puisque le pape du Révitam est un âme, il y a une possibilité pour nous résoudre le problème non, et qui permet aux Dominicains même à négocier pour résoudre. Donc, première recommandation, il faut réguler la question migratoire à partir d'Haïti, par le développement économique. Mais aussi, il y a un fait, c'est que les gens, gampil nan moun qui pas capable de reproduire tête, je veux dire, s'ils n'ont pas migré. Donc, il y a deux choix. Ou bien, ils vivent continuellement en sacrifice, nous considérons nous sacrifier, ou bien ils choisissent de sacrifier, ou bien ils migrent. Alors, comme ils n'ont pas de choix, ils choisissent de migrer. L'État haïtien n'a pas qu'empêcher de migrer. Mais ce que l'État peut faire, l'État peut proposer des mesures qui permettent d'accompagner, même s'il y a migré, ils migrent dans de bonnes conditions. Chercher au fait qu'on ait un travail plaidoyer nécessaire non seulement pour convaincre les gens qui ont parti, pour ne pas faire n'importe qui gens, mais tout pour convaincre l'État sous nécessité pour l'intégrer et puis contrôler la population. Dans le cadre d'un document observatoire citoyen pour institutionnalisation et démocratie présenté sous réforme qui a été faite dans le système électoral haïtien, responsable a fait plusieurs recommandations. Parmi propositions Ronsayo, aussi de recommander autorité conseillère mettez en place conseil électoral permanent, création d'un fonds national financement électoral et puis permettre haïtiens qui vivent l'autre bord de voter dans l'élection présidentielle. Même comité pilotage aussi demandé conseil électoral provisoire prend disposition nécessaire pour élection législative organisée dans l'année 2019 cap vinila. Professeur Ronnie Deroche ak Abnodel Doudou tena micro Sainte-Croix-Paki ak Hervé Pierre. Première mesure qui paraît cruciale pour nous pour stabiliser question élection en Haïti, c'est arriver définitivement à un conseil électoral permanent. Les nous ouais toute difficulté ça te gagne avec modalité constitution 87 là avant amendement et après l'amendement difficulté gagne pour monter conseil électoral permanent, nous suggérer que dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, pas dans le cadre de la loi électorale, que yo capable mettre en place un conseil électoral permanent avec l'autre modalité. Les mesures de réforme que aussi doit commander, c'est le vote permettre que compatriotes nous qui dans diaspora, compatriotes nous qui vivent à l'étranger, ils sont capables de participer aux élections, particulièrement les élections présidentielles. Permettre que ils puissent participer, loi électorale loi doit venir avec des provisions pour faciliter que quel que soit côté haïtien ou bien haïtienne à vivre, lui depuis le décidé de participer à l'élection, il peut participer. Une mesure de réforme que aussi de recommander, c'est l'établissement d'un fonds, la création d'un fonds de financement des élections. Donc, loi électorale là nous recommander à ce que les vignes avec des dispositions pour que l'État haïtien capable de gagner un fonds souverain pour organiser l'élection, pour nous suspendre organiser l'élection avec financement étranger et avec le risque aussi que l'étranger ban nous l'ordre sur comment nous devons faire l'élection. En octobre 2019, nous devons gagner l'élection. Élection pour renouveler toute chambre députée, élection pour renouveler un tiers dans le Sénat. Et nous pensons que l'important que tout citoyen conscient participe dans l'élection ça. Parce que si le Parlement, depuis 2006, fait travail convenablement, t'es contrôlé action gouvernement, action exécutif là, jodi a nous pata dans situation que n'a vive journée jodi a côté pour n'a mandé côté l'agent Petro-Caribéa. Vous pensez que nous besoin au parlement qui baille de meilleurs résultats. Jodi a
dans l'année 2018 là. Donc nous encourager tout le monde qui manifestait réveil ça pour que yo capable impliquer yo dans la vie politique pour y aller voter pour y aller comme candidat tout pour les postes électifs, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau AZEC-CAZEC, que ce soit au niveau du Parlement. L'autre nouvelle, président commission économie et finance Sénat, sénateur Jean-Rigo Bélizère, réagit sous résultat dernier étude de Forum économique mondial publié 17 octobre passé sous indice compétitivité. Le sénateur Rigo Bélizère dit que c'est instabilité politique qui la cause. Haïti occupe place à la classement. Le parlementaire a encouragé tout acteur qui prend conscience sous état pays. Un extrait dans le micro Fedné à Confident avec Frenel Toussaint. Il faut que nous fassions appel à tout Haïtien sans distinction parce que le plus gros mal, non, c'est l'instabilité. Quel que soit Jean Tounes, parce que lorsque la situation de stabilité a, eh bien, quel que soit le secteur, prenant, quel le tourisme ou après affecté, imaginons le tourisme qui, dans pays voisin, rapporte le pigo par le pays Béli, alors que nous-mêmes, c'est découragé, nous avons découragé les gens qui investissent dans le secteur. Si vous regardez même au niveau des magasins, ou après actuellement, toutes ces gros murs ont monté. Donc, qui par un bon signe pour l'économie pays, c'est un signe de découragement. Donc, tout compte fait, si nous autres Haïtiens, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau des partis politiques, nous pas conscients des situations, ça va pour nous créer aussi une situation de stabilité, stabilité politique dans la rue et en même temps au niveau gouvernement, eh bien, de plus en plus, c'est pifon n'a pas rentré. Et chaque pas nous fait rentrer pifon, ou rentrer pifon net. Et après, c'est désolation totale, c'est découragement total de la part de la jeunesse, de la part des citoyens, de la part de tout le monde. Et finalement, ou au grand pays, même Fatra ou pas ramasser, parce que même Fatra vient tout non politique, matin là ou après, tel maire ramasser Fatra, d'un matin ou quantité Fatra plus. Des fois, on pose d'autres questions, est-ce que c'est pas des monde qui opposant qui dit, eh bien, pour montrer que nous-mêmes nous pas utiles, map rentrer dans la dynamique de boycottage tout ça qu'a fait comme activité qui pouvait être nous rentabiliser. C'est pas étonnant. La corruption existe partout, mais elle peut empêcher l'autre pays d'avancer en termes d'infrastructure. Mais puis gros problème on gagne, le fait que ou gon stabilité politique en permanence, ça permet que l'argent pas rentre dans derrière et lorsqu'on gagne stabilité politique là tout, li bon un climat qui propice toi à la corruption puisque normalement ou vin permettre gouvernement qui en place a une seule préoccupation c'est ouais comment pour créer un climat pour permettre l'exercer pouvoir. Donc entre-temps pas besoin des monde qui profiter des occasions ça pour avancer dans détournement fonds publics etc etc. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause publicité, pas débrancher, n'a pas. Actualité à poursuivre rapidement. Chambre Commerce Femmes Entrepreneurs Haïti lancé mercredi 24 octobre la deuxième forum économique entrepreneur haïtien dans centre convention BRH. Forum ça cap déroulé sous thème femmes moteurs de la relance économique d'Haïti possible grâce à partenaires CCFEHO l'a fini jeudi 25 octobre là. Plusieurs femmes entrepreneurs qui sortent dans le département Sud, Nord, à Clatibonide, a participé dans le forum ça. Président Chambre Commerce Femmes Entrepreneurs d'Haïti, Daniela Jacques, insisté sous importance pour l'État mettre moyens techniques et financiers disponibles pour accompagner femmes entrepreneurs qui jouent un rôle important dans l'économie pays. Y ont extrait un micro Falan Delphin à Frenel Toussaint. Chambre de commerce qui créée en juin 2015, mais qui commençait activité formelle et officiellement le 11 mars 2016, c'est date ça que nous avons fait lancement nous. Et bien, m'a dit que nous avons bien évolué pendant 2 ans, nous avons réalisé un pile projet, nous fait formation, plus d'une dizaine de formations pour les dames qui fait business et un petit peu dans 5 départements déjà. Et dans l'Ouest, et nous fait plus formation toujours. Jodi an la, nous ka considéré que Chambre de commerce a gen environ 300 femmes qui fait business et professionnels qui se membli. Moi ka di son record par rapport à l'autre Chambre de commerce qui existait. Et puis surtout par rapport à une institution
qui comme si pas dans culture haïtienne pour que mesdames yo d'accord organiser surtout mesdames qui dans business yo. Donc nous très content que de plus en plus chambre n'a fait chemin et plus femmes a d'accord entrer là-dedans, plus femmes conscient comprendre importance que yo doit participer, que rôle yo important dans économie haïtienne. Maintenant pour implication mesdames yo dans économie, yo toujours dit que l'économie haïtienne repose sous les épaules femmes, son réalité et pas juste en parole que je dis comme ça, parce que là nous considérons, je dis combien de femmes qui a fait business, combien de femmes qui a mené l'économie, même si c'est dans le secteur informel, j'en aurais là, mais quand même, mesdames, ça yo joue un gros rôle et yo représente colonne vertébrale économie. Maintenant, qui ça nous besoin? Le nous organiser un forum économique des femmes haïtiennes. Je dis en cette deuxième édition en Cap-Fête là. Et bien, c'est vraiment pour nous insister pour que l'État haïtien comprenne non seulement l'importance que mesdames yo jouent dans l'économie, mais mettez des structures qui capables permettre que mesdames yo jouent plus d'opportunités. Mettez des structures qui capables permettre que gon fonds de l'entrepreneuriat féminin qui créé, ça qui pourrait permettre que nous capables investir dans l'entrepreneuriat, investir dans mesdames yo, parce que nous connaissons très bien chaque fois que on femme gen moyen nan mel, et bien c'est pas moyen, pas pour lui seulement, li pour petite li, li pour mari, li pour famille, li pour toute société. Donc nous avons encouragé que l'État ait disposé l'argent, disposé moyens techniques et financiers pour permettre que mesdames yo capables jouer rôle yo plein et entier et dans l'économie haïtienne. Observatoire citoyen pour institutionnalisation et démocratie aussi de prononcer sous conjonctif politique actuel. L'organisation en dit, il prend note sous quelques décisions autorité l'État au prend pour faire limiter sous dépenses l'agent Petro-Caribéa. Professeur Ronnie Desroches et Abdonel Doudou, Ténamicro, Sainte-Croix-Paki et Hervé Pierre. Nous invitons tous citoyens. Tout le monde qui a manifesté, pour y être vigilant sur ces questions de contrat, de dépenses, pour y suivre tout le monde et que gagner y ait une véritable transparence. Nous pas inciter personne à faire violence, mais pour y suivre, pour y exiger que la transparence existe dans la gestion des affaires de l'État. Et que la reddition de comptes vienne une pratique généralisée au niveau de l'État. Chaque mouvement social qu'a fait, pas seulement en Haïti, tout partout dans le monde, il toujours gagne des dérives. Il toujours gagne des dérives. Maintenant, c'est aux forces de l'ordre, c'est aux décideurs, c'est aux autorités de limiter les dérives, d'une part. Ensuite, étant donné que ce bon mouvement qu'on est capable juste cibler une telle organisation qu'on mène, ou pas capable de dire ou après adresser à telle organisation, nous seulement qu'à adresser nous à chaque grand citoyen, chaque grande citoyenne, pour dire que pendant qu'on va défendre une cause qui est juste, éviter des actions qui sont capables contre-productives. D'ailleurs, pour commencer, on va faire un peu mouvement lorsqu'on commence à parler de bagailles qui viennent avec des souvenirs qui sont négatifs. Mouvement patriotique populaire Dessalines Mopod by 10 ans yo sous dossier l'agent Petro-Caribéa conférence nationale là coordonnateur national Mopod là Jean-André Victor expliqué responsable d'Irabla Chita dans conférence nationale là Jean-André Victor t'es dans micro Stéphanie Chal et Henri Robert Chéri. Si Haïti réellement veut faire procès faut rentrer dans la convention hein. Solliciter entraide judiciaire à travers juge d'instruction que nous baillons moyen pour faire travail là, solliciter coopération technique qui pas coûte l'argent. Donc, gagner espace pour joindre sans besoin l'autre côté dans le cadre de convention internationale là, sous besoin faire procès Petro-Caribé avancé, faut bailler toute institution anticorruption, ILCC, UCREF, BAF dans PNH là, gagne l'autre encore. Cour supérieure des comptes, juge d'instruction, hein? Toute institution ça faut renforcer, ça veut dire bah aux moyens humains, juridiques et financiers pour faire travail.
Réseau national tête calée, salié leadership, président république là, Jovenel Moïse Poufasson, on l'apprend, en compte revendication, population sous dossier, l'agent Petro Karebea, responsable RNTK, yo croit, li important pour un procès qui fait sous dossier ça, mais c'est la justice qui doit faire travail li comme institution qui placée pour ça. Coordonnateur général RNTK, Kinton lui, renouveler solidarité avec toute bataille cap mené pour déraciner corruption dans la société. Il y a un extrait dans le micro, Midrey Milias et Fresnel Toussaint. Tout le monde a constaté que le président Jovenel Moïse fait preuve de un leadership éclairé. Il prouve que c'est le peuple haïtien qui boussole. Et victoire du peuple, c'est le monde qui vote. Attendez, l'elle parler avec elle. Yon groupe dans la société a manifesté, mandé reddition de compte sous gestion l'agent Petro-Caribéa. Président Kouté, il a commencé à prendre des mesures qui appropriées pour lumière faite sous dossier ça. Pour coupable, joindre sa yo mérité. Pour innocent, joindre justice. Président, dans le dernier jour, ça yo, voyez gros signal. By tout corrompu, tout plimaï, qui comprennent, ok, que procès contre corruption hein, pas ta fait. C'était bien compté, mal calculé. Tout le monde qui croit dans l'état de droit, fois ça, lit peuple là, pape dévié, nous pape quitter Petro de Choukeyo, fait rater train l'histoire. Nous pas rater procès siècle là parce que c'est bral TV20 non nan camp démagogue. Il est normal que population mande compte parce que son devoir pour moun kap dirije pays a bay population hein, explication sur dépenses que vous fait dans pays a. Moi me pense tout pendant que population a mandé reddition de compte, il faut que l'autre moun pas profiter de ça pour faire l'autre bagaille. Qui ça nous remarquer? Nous remarquer que dans mouvement dans cap fait dans la rue pour bail contre sur question Petro-Caribéa, nous remarquer grand pile monde qui profite de mouvement ça pour faire l'autre bagaille. Nous même nous dénoncer ça, nous penser que population doit joindre compte, population doit joindre justice dans question Petro-Caribéa, mais faut que l'autre monde pas profiter de mouvement dans la rue pour faire affaire paio. N'a dit population confiance avec institution nous. Faire confiance avec la justice. Parce que nous avons des institutions dans le pays qui sont là pour faire enquête, qui sont là pour la justice, faut faire confiance avec lui. Nous connaissons que la machine justice n'a pas marché rapide. Nous connaissons ça. Mais nous pensons que l'exécutif là a mis les bouchées doubles, a bail moyen pour que la justice là, pour que challenger, pour que la population joigne effectivement justice sur la question Petro-Caribéa. L'autre point dans le journal là, travail pour réhabiliter divers tronçons routes dans Croix des Bouquets a continué. Une équipe Télévision Nationale d'Haïti visitée pendant un week-end là, qui Jean travaille ça y a avancé, surtout sur route principale Croix des Bouquets. Lunel Jean-Louis avec Wilson Idoré Abdinplis dans Contrandi. Travail pour réhabiliter divers tronçons routes dans la commune Croix des Bouquets et spécialement zone Kafou Marassa a avancé à grands pas. Directeur départemental l'Ouest MTPTCA, ingénieur Andy Jean-Louis, indiqué tronçon route ça qui était mesuré 6 mètres large pour le passer à 14 mètres large. Ingénieur Indi Jean-Louis expliquait divers autres travaux qui déjà fait dans le cadre de réparation route quoi des bouquets mal passe là. Nous commençons sur pont d'abord là, nous descendons pour nous arriver Kouta et nous avons l'autre équipe qui travaille normal de mal passe pour venir fond parisien dans même quatre programmes ça. Là nous dans presque dans phase finale là, nous commençons à mettre en route bien que il y a l'autre pile travaux qui pour faire encore pour faire que n'a fait. Je regarde route là, tout le monde content, tout le monde dit belle, mais pourquoi route là? Parce que nous avons pile bagaille nous allons mettre, nous avons un caniveau qui a commencé à faire sous pont, nous avons terre plein central que nous avons mettre. Je vois route à Yoboaïa. Et nous avons 14 mètres de large. En fait, en plus de 14 mètres de large, nous faisons des heures de stationnement. Tortellus Family. Nous avons pas pour le camper dans voie. Nous faisons des voies, nous faisons des heures de stationnement pour le camionnette la camper pour le mettre mon terre, juste pour nous capables d'éliminer l'embouteillage qui est dans la zone. Nous travaillons aujourd'hui à la robe d'Apé d'Asphalte. Pendant ce temps, sur route, nous avons un grand bois. Pour ce petit Thomas, nous avons un grand bois près de 25 mètres. Nous avons coulé béton.
nous coulons le béton vers 7 à la nègre, nous coulons le béton, nous avançons avec le trou. Député Kwade Boukeya, Jean-Willet Jean, montre les très reconnaissants vis-à-vis de l'État central par rapport à ressources et puis moyens qui ont été disponibles pour réhabiliter divers tronçons routes dans la commune Kwade Boukeya. Député Jean-Willet Jean dit, il souhaite travailler ça et continuer dans plusieurs autres localités dans la commune. Pendant les mandats de population, continuer à porter collaboration avec les responsables. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail de Kwade Boukeya et c'est ce qui est important. Et nous avons sorti sous Marassa pour aller vers Famosa. Je pense que le président te promet et nous faire route ça tout. Nous avons le centre du jour. C'est tout ça qui rentre dans la priorité. Nous avons la route noire là, qui rentre dans la priorité. Aujourd'hui, Bellefontaine qui rentre dans la priorité. Et parmi les routes nous avons gagné encore, c'est qui rentre dans la route caravane. C'est surtout la route qui allait vers Zoranger pour aller sur Sodo. Parce que aujourd'hui, nous avons même bataille par nous. Ce n'est pas une bataille d'une façon constante dans la radio, mais c'est une bataille pour permettre quoi des bouquets. Aujourd'hui, ça nous est là. Je pense que l'action le plus important que les verbes. Et je pense que aujourd'hui, c'est dans l'action. Et c'est ça qui fait nous prendre toute disposition pour nous dire travail ça, il n'y a pas de camper dans la route. Divers citoyens dans la commune Kwade Boukeya battent bravo la contentement pour le travail qu'a fait sur la route. Quelques là-dedans ont expliqué la misère qui était passée pour mener et puis à chercher petit à l'école à cause de gros blocus. Je dis moi-même qu'on devait 4h du matin mener tout le monde à l'école pour m'arriver là, sous point là, presque. C'est beaucoup qui arrive. Et je suis capable de dire demain matin, je vais mettre mon école là, après c'est différent. Je vais même lever 4 heures, je vais lever 5 heures, 6 heures pour m'aller. Et là, je vais travailler tout. 8 heures, minuit, je vais prendre des heures. Je vais voir qui quitte la machine sous pont à balle, je vais aller des matins, je vais chercher la machine. Je dis, je vais aller pour le président Jovenel, je vais aller pour le député Jean ou les gens. Mais je dis, et ce n'est pas seulement au Dival, c'est presque toute commune, nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. C'est ça que fait moi, je pense que ton promesse, les députés ont fait campagne. À président Jovenel, il dit mais ça le bras fait, mais ça le bras fait. Moi, je me bats trop. Mais je dis là, je suis tellement quoi. 11 camions bascule, 5 gridets, 4 lodets, 3 houlots compactés, 3 camions de l'eau. C'est quantité matérielle qui est mobilisée pour réhabiliter Outsaha, qui a bien pour sortir à l'aéroport Guimalari, traverser la commune Kwade Boukeya pour arriver à Malpass, d'après le directeur départemental de l'Ouest, MTPTCA, ingénieur Andy Jean-Louis. Dans l'idée pour marquer 212e anniversaire la mort au Bois Antonnerre, yon messe action de grâce chantée mercredi 24 octobre dans la paroisse Saint-Joseph, commune Tobek, en présence notable avec diverses autorités dans la commune non. Révérend Père Luxon Kaseyus qui tape prêché dans l'occasion, rappelé Genio Pakou Bois Antonnerre pendant l'imandé yon suivre trace géant ça, qui était un grand combattant. Explication dans micro Lunel Jean-Louis avec l'aurore d'Arlie Jean-Jacques. Qui compte nous dériver comme petit tombé? Qui s'en a cherché pour tomber? Voilà. Trois questions. Nous voulons nous soutenir avec trois questions. Ça. M'a cherché les consos. Et m'a tenu les consos pendant 10 ans, mais encore, je vais tomber là. Ouais. Pour qui ça vient là, 24 octobre là, 2018 là, m'a tenu les consos. On est voté 10 à 20 ans pour la tempête, battre les consens. Qui côté nous arriver à tomber? Battre les consens, c'est une question à suivre. Ce n'est pas une mauvaise série. La suivre, la travail comme les consens. La travail pendant 10, 20 ans qui réunit dans les consens. Qui côté nous arriver à tomber? Député commune Tobekla, Hervé Charles, expliqué commémoration pour première fois la mort à Bois Antonnerre, c'est une occasion pour offrir une autre image de commune. Non. Député Hervé Charles a porté plus d'explications dans le micro Lunel Jean-Louis avec l'aurore d'Arlie Jean-Jacques. Jodi a tenu compte de avec indépendance qui relate tout ça, qui parlait déjà pour personnage ça, qui était Bois Antonnerre, qui reflétait toute réalité haïtienne. Jodia, nous-mêmes dans Tobek, après 211 ans, nous avons dit nous pas quitter 212 ans, ça a passé comme ça. Nous avons mis tête ensemble avec MJBT, qui est le mouvement jeune Bois Antonnerre Tobek, pour nous commémorer date ça, pour nous retirer Tobek dans Tiwa, pour nous retirer Bois Antonnerre dans Tiwa, pour nous mettre sous table.
pour nous poser tête nos questions. Qui ça n'a fait à Tobek? Parce que je dis, prendre une décision, ça, arriver à concrétiser ça, c'est bien. Mais je dis, il faut nous connaître qui côté nous aller, qui ça n'a fait à Tobek. C'est clair. Et en pile monde toujours connaît de parler de bois retenir pas jamais comprendre histoire ça pas jamais connaît qui ça bois retenir et vaut dans révolution qui ça bois retenir qui poids bois retenir mettre dans révolution yo toujours parler de Jean-Jacques Dessalines mais yo toujours dit on doit pas général à l'eau Jean-Jacques Dessalines pas ta faire bataille ça vraiment et histoire révélée clair que si bataille ça arrive concrétiser c'est grâce à bois retenir et acla témoigner tout ça que moi même m'ta pour me dire je dis à s'en parler là comme peuple. Mais tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas traiter un peu en pauvre. Ça fait moins de gouvernement, moins d'exécutifs, pour que tu prennes un petit temps. Vice-délégué arrondissement Okaïla, Hérold Jean-Jacques Bocotépal, a insisté sur l'éducation civique qui t'a de fait dans mi-temps société A, et spécialement jeunesse là. Vice-délégué a dit, il souhaitait citoyen commune Tobek doit profiter des journées historiques ça pour réfléchir sur nouvelles alternatives pour développement commune. Non, un extrait dans micro Lunel Jean-Louis avec Laure Darly Jean-Jacques. Tortellus family. À présent, Haïti galope à reculons. On a un problème sérieux de mentalité. J'ai toujours dit à travers mes conférences, à travers des séances de formation, que Haïti ne va nulle part. Si l'on ne prend pas les mesures de réaliser un travail au niveau de la mentalité de l'homme haïtien, c'est un plus bon pays que dans le monde, un plus bon territoire. Nous avons un climat équilibré, tempéré et puis un climat tropical. Youn pas tuer moun. C'est nous problème pays. C'est nous pour chita ensemble. Et ceci doit passer par une campagne d'éducation civique de façon permanente. Les gens qui sont formés, ils ne peuvent pas être manipulés par des politiciens sans vergogne qui, au milieu d'une partie de la communauté internationale, travaillent pour enfoncer le pays dans l'abîme. Dans l'école, nous parlons de redevance pour nous connaître, pour nous prioriser et valoriser le bien commun. C'est ça qui a passé le pays là aujourd'hui. On a utilisé le peuple pour gagner les rues sur une question de budget. Pas bon, par contre, ça peut prendre un budget. Quand il y a un budget pas là, il y a essayé d'utiliser parce que le chef de l'État, selon sa vision, voulait apporter un minimum de changement auprès des gens les plus reculés du pays. Toute zone, il y a pensé, ouais, mais ça va faire plaisir à la mafia portopressienne qui cantonne entre les mains les 95% des richesses du pays. Fêter ou bien commémorer la mort de Bois Antonaire, ça ne va chita pour nous réfléchir, pour nous dire qui ça nous compte faire pour ce pays ça. Au moins dans 15, 10, 20 ans, l'histoire a dit, mais ça ne quitte. Ce n'est pas qu'on y a Tobek et ça. Malheur Tobek, pas dépend de Tchalito. Ce n'est pas le premier député qui Tobek. Au contraire, la PC a amélioré les conditions de vie à travers les différentes infrastructures que le président APDL fait dans la circonscription avec Chantal. C'est nous qui pouvons chita pour nous poser problème pour apporter des pistes de solutions. Nous avons annoncé l'antitio responsable de la mission Nations Unies pour la justice en Haïti, Ménéjust, présenté mercredi 24 octobre. Là, bilan travail réalisé pendant l'année mandat institution en PIA, dans l'occasion célébration Journée Nations Unies. Représentant spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti, Hélène Meager, la LIM pendant intervention, le fait qu'on est, Ménéjust travaille sous plusieurs projets à quelques institutions qui travaillent sous justice et sécurité en Haïti. Avec PNH, ONU Femmes, il y a un projet qui visait encourager l'intégration femme dans PNH là, il y a un projet tout, constitution et réparation commissariat avec appareil judiciaire, Ménéjust travaille sous question état des droits, détention préventive prolongée et un projet pour violence dans quelques zones dans le pays. La représentation des femmes dans la police est importante, car le maintien de l'ordre concerne toute la population et elle contribue aussi à une professionnelle, à une police professionnelle à l'image du pays. Afin de renforcer les chances des candidates, la Ménéjust et ONU Femmes, avec la PNH et le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, mettent en œuvre un projet pour encourager les femmes à s'intégrer à la police. On essaye aussi d'augmenter la présence de la PNH à travers le pays. Depuis le début de la Ménéjust, 21 projets de construction et de rénovation des commissariats ont été lancés, ce qui a permis d'accroître la couverture territoriale de la PNH.
Pour ce qui est du renforcement de l'état de droit, la promulgation et l'application de lois clés est une priorité. À ce titre, je salue le travail parlementaire qui a permis l'adoption par le Sénat et la Chambre des députés de la loi sur l'assistance légale. Dès sa promulgation, la MINUJUST se tient prête à appuyer le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la formulation du plan d'action. En parallèle, nous continuons de promouvoir l'adoption du nouveau code pénal et au code de procédure pénale. On fait cela à travers l'organisation de conférences dans les régions entre les parlementaires et la population. La MINUJUST appuie aussi le renforcement de l'Office de la protection des citoyens, la OPC, et notamment sa capacité à fonctionner de manière indépendante. L'entité gouvernementale en charge de cette réponse, qui est la Direction de la protection civile, était en première ligne pour la réponse. Elle a apporté les réponses et quand il s'est agi de pouvoir soutenir cet effort, le gouvernement a fait appel à la famille humanitaire des Nations Unies et nous avons apporté de l'appui pour pouvoir combler certaines difficultés qu'il y avait. Mais la réponse était celle-là. Plus loin, dans le cadre toujours de cette réponse, le gouvernement a émis le vœu et il a présenté un plan de préparation de réponse au désastre où il demande à ce que les ressources mobilisées par la communauté internationale utilisent les structures gouvernementales pour faire ce travail. Nous en avons donné un exemple éclatant en canalisant l'ensemble de nos appuis directement à travers la DPC. Il n'y avait aucune structure non haïtienne en première ligne pour la réponse à cette catastrophe, c'était la DPC. Donc je considère que sur cet exemple-là, nous avons entendu le message du gouvernement et nous sommes en train d'y répondre. Et je crois pouvoir dire en conclusion que c'est une décision souveraine du gouvernement d'Haïti de vouloir avoir le leadership sur les efforts de développement dans le pays. Haïti n'en a pas le monopole, la plupart des pays veulent faire ça. Et le rôle des Nations Unies, c'est d'accompagner le gouvernement pour créer les conditions de transparence et de redevabilité qui permettent à cela d'avoir lieu et que les ressources mobilisées aillent là où on en a besoin. Vers une augmentation et valorisation durable de la production de la mangue, c'est sous thème sa Fondation haïtienne pour agriculture à Crélance économique, réalisé un symposium sous filière mango dans le PIA. Activité ça qui démarrait lundi 22 octobre, arrivé dans Boutli mardi 23 octobre. Et on compte rendu Rachel Saint-Fort à Fresnel Toussaint. Qui ça qui doit faire pour développer et puis rentabiliser filière mango dans le pays? Comment nous capables de valoriser et puis exploiter filière ça qui a en pile potentialité? C'est parmi diverses questions qui étaient dans mi-temps débat. Selon organisateur, le symposium sous filière mango PIA te ba occasion à 120 participants professionnels dans le domaine nan pour réfléchir et puis faire proposition sous plus bonne stratégie qui permet augmentation et puis valorisation yon façon durable production mango. C'est pour nous chercher réponse qui ça pour yo fait, qui ça pour nous fait, nous tout haïtiens, qui ça pour nous fait pour nous ca supporter un bon développement mango. Non seulement un développement mango, mais pour nous ca supporter que yo bay mango a pour mango a vinn gen plus valeur. Donc c'est symposium ça que nous fait. Symposium c'est pas bagaille que on fait souvent, mais nous croit que le nécessaire était nécessaire pour nous t'approcher avec un pile professionnel problématique production mango dans pays là. L'aime dit en pile professionnel yo moun qui réfléchit tout sous capacité yon pied bois pour li produit plus. Activité ça té occasion pour président Fondation haïtienne pour agriculture et relance économique Volny Poltre parler sous réalité pays nan zafè mango et puis présenter un catalogue qui gen 90 variétés mango. Si pas de mango numéro 1 ak zaboka numéro 2 nou pa konnen combien nan frères nou yo qui pataka passé mois de mai, mois de juin, mois d'août.
que yo relé na agronomie période soudu. Ce qui veut dire que c'est une période entre les réserves récolte printemps fini, napton récolte et saison été a vini qui représentait premier produit d'exportation alimentaire manger mini, et secteur agricole là. Ce qui veut dire que chaque année Haïti exportait comme ça pour 10 millions de dollars mango. Ce qui veut dire que il dépassait tout l'autre produit qui était gros produit d'exportation, il dépassait café, il dépassait cacao. Quand y a, c'est mango premier. Président Fola Volnipol fait qu'on ait environ 200 variétés mango dans le pays, pendant de préciser chaque gain marché pa yo. Dans ce sens, il invite tout acteur concerné pour travailler, chercher plus bonne stratégie qui permet d'entrer plus l'argent à partir du développement filière mangoa, ça qui peut aider dans le développement pays. Nous allons observer une autre pause, nous allons retourner dans un petit moment. Nous avons un coup de pied, l'autre bord de l'eau, organisation Nations Unies condamnée la France mardi 23 octobre là, pour interdiction limitée contre voile intégral islamique là, dans l'espace public. D'après l'ONU, l'État français n'a pas expliqué une façon claire dans qui ça, interdiction voile ça, nécessaire. On suit. D'après un membre du comité, la France violait l'article 18 de l'accord international qui garantit liberté religion et liberté pour professer religion ensemble avec l'article 26 qui interdit discrimination. Le comité a déclaré la France pas convaincue avec l'argument présenté qui fait croire qu'il a adopté mais ici là pour raison sécurité et respect principe vivre ensemble dans la société française. Le texte a été adopté dans le Parlement français dans l'année 2010. Li interdit moun kache figyo dans l'espace public yo sous peine yon amende qui ka aller jusqu'à 150 €. La France pourquoi elle est là doit dédommager plaignant yo et puis réviser loi. La Cour européenne doit moun valider à deux reprises interdiction voile intégrale dans l'espace public yo en France ak Belgique, Danemark ak Autriche adopté en loi dans même sens là. Service secret sécurité, ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton déclaré mercredi 24 octobre là, ils joignent deux bombes dans courrier ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. Rapide comme explosif potentiel dans cadre procédure routine contrôle courrier à suivre. Il découvrit deux bombes dans le courrier envoyé dans le bureau ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. D'après déclaration membre force de l'ordre dans le New York Times, bombe ça a été même ak ça a été joint lundi passé à la caille milliardaire américain George Soros. Collier a été identifié rapide comme bombe explosive potentielle dans le cadre procédure routine contrôle courrier à Maison Blanche condamné ak ça. Siège New York CNN n'a été évacué à cause d'une bombe suspecte. Police New York l'a fait connaître, li pa koka précisé si bom nan identique ak sa ou te jwenn anvan yo. Mais quelques points nous ont développés dans le journal là, à Soya, membre État généraux sectoriel Nation 1, souhaité président de la République là prolonger mandat yo, une façon pour permettre yo atteindre objectif yo, membre EGSN dit yo commencer travail sous quelques cahiers d'oléances après plusieurs rencontres yo déjà réalisées avec diverses organisations des bases dans différents secteurs en vie nationale là. Jeudi, mercredi 24 octobre, là, marqué Journée Nations Unies, dans l'occasion, Minijust présenté bilan travail réalisé pour première année mandat en Haïti. Avocats sans frontières Canada remet mercredi 24 octobre, là, yon lot matériel bureau ak motocyclette by responsable office protection citoyen, dont matériel ça, rentré dans le cadre d'objectif pour renforcer système judiciaire haïtien. Chambre commerce Femmes Entrepreneurs Haïti lancé mercredi 24 octobre, deuxième forum économique entrepreneur haïtien dans Port-au-Prince. Forum ça a déroulé sous thème Femmes, moteur de la relance économique d'Haïti. Dans l'actualité internationale là, service secret sécurité ancien président américain Barack Obama et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton déclaré
mercredi 24 octobre, ils joignent deux bombes dans le courrier qui étaient adressées à deux personnalités. C'est là que nous mettons en bout dans le journal. Merci pour fidélité et attention. Une prochaine édition, c'est pour demain, dans la même heure. Bonsoir tout le monde.